DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 18 juillet 2021, c'est la date où la République démocratique du Congo, par l'équipe nationale ou par U23, devait affronter l'Ouganda, tenant du titre dans la compétition de CECAFA qui a débuté hier 17 juillet 2021 à Bahir Dar en Éthiopie. Les léopards de la République démocratique du Congo auront réussi à tenir en échec les crânes ougandais, 0 but partout. Les léopards U23 de la République démocratique du Congo n'ont pas manqué leur entame dans le tournoi de la CECAFA où ils prennent part pour la toute première fois. Ils ont fait un match nul de 0 but partout contre les crânes de l'Ouganda, détenteur du trophée. Ce dimanche 18 juillet 2021, sur le coup de 12h, heure de Kinshasa, au stade international de Bahir Dar en Éthiopie. Handicapé par la fatigue suite à un long voyage en avion entre Kinshasa et Bahir Dar, avec un escale de quelques heures à Addis Abeba, sans oublier qu'il joue en altitude et non plus s'accommoder vite avec ce climat et une pelouse naturelle mouillée par la pluie sur le terrain. Les poulains du coach Jean-Claude de Loboko qui ont joué sur un système tactique de 1-4-3-3 face à des adversaires jouant en 1-4-4-2. Ils n'ont pas perdu la guerre du milieu de terrain, heureusement. Ils ont contenu tous les assauts adverses jusqu'à imposer un nul vierge à la pause. Cette attitude des léopards de la République démocratique du Congo sur un terrain où ils n'ont même pas fait la reconnaissance du terrain a quelque peu désarçonné les adversaires à la reprise. Les crânes sont montés en vitesse en dominant légèrement les fauves congolais qui ont subi sans fléchir jusqu'à imposer un nul vierge de 0 but partout. À la conférence d'après-match, le coach Guy Bukasa n'a pas caché son satisfecit qui est intervenu malgré le long voyage de leurs joueurs, sans oublier d'épingler quelque peu l'arbitrage, et a estimé que le prochain match des Léopards mercredi prochain sera très déterminant pour une qualification. Donc voilà, bien évidemment, dans le cadre de ce match, c'est vrai, nous avions à plusieurs reprises, nous sommes revenus sur cette problématique dans l'organisation même ici en République démocratique du Congo. Le voyage qui était initialement prévu le 14, qui finalement va intervenir le 16, à deux jours de la rencontre, sachant que Bahir Dar n'est pas à Addis Abeba, le vol arrive d'abord à Addis Abeba, ensuite il faut joindre Bahir Dar, c'était vraiment compliqué. Alors pour ce match, bien évidemment, les Léopards étaient quand même motivés malgré la fatigue, malgré le long voyage, ils étaient quand même motivés. La preuve, c'est en image que nous allons vous montrer cette marche qu'ils ont eu à faire avant ce match, et aussi les poulains de l'entraîneur Jean-Claude Loboko en train de chanter avec ferveur l'hymne national de la République démocratique du Congo. Suivons ça en image et nous allons nous retrouver tout de suite après pour vous donner le classement qui a débuté le match du côté congolais. Nous allons bien entendu nous retrouver une fois de plus pour conclure, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Yes, you can.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de voir en image la ferveur en tout cas qui régnait au sein de cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui a réussi quand même cette entame, même si il n'y a pas eu de victoire. Match nul contre l'équipe tenante du titre. Je pense que ce n'est pas un mauvais résultat au regard du match qui s'est joué hier en ouverture de cette compétition. Alors pour ce match contre les Cops de l'Ouganda, les Léopards U23 qui avaient débuté ce match, le choix de l'entraîneur Jean-Claude Leboko était un choix plutôt offensif, en titularisant des joueurs tels que Joël Béa, l'avant-centre du tout-puissant Mazembe, au milieu de terrain, la pépite du Darin Club Motéan Pembe, Karim Kimvoudi, et aussi Max Mpia. Alors comme gardien de but, nous avions Brunel Efongé, nous avions en défense Enoch Manguindou, Steven Ebola, Magloire Kalonji et Jacques Mangoba. Et en milieu de terrain, nous avions Christian Sundi du Darin Club Motema Pembe, Merveille Kikasa de l'ASV Club, Mokonzi Katumbwe ainsi que Karim Kimvidi. En attaque, le duo était composé de Joël Béa et Maxi Mpia. Alors les hommes de Jean-Claude Leboko n'ont pas su surmonter en tout cas cette équipe ougandaise qui par ailleurs et tenante du titre bien qui était bien en place nonobstant les occasions de part et d'autre, les deux portiers en tout cas ont réussi à garder leur cage inviolée. Ce résultat bien évidemment ne va pas changer grand chose puisque les deux premières équipes du groupe B à s'affronter, c'est-à-dire l'Éthiopie et l'Érythrée, s'étaient séparées également par un match nul. Alors maintenant j'aimerais revenir sur la conférence d'après-match. Nous allons suivre l'entrée
l'entraîneur de l'Ouganda, l'entraîneur de l'Ouganda qui s'est exprimé et qui a été en tout cas élogieux face à cette équipe de la République démocratique du Congo qu'il a eu à découvrir. Hein. Et évidemment, Guy Bukasa, l'adjoint de Jean-Claude Loboko, s'était aussi exprimé. Il n'avait pas caché son satisfait hein, qui est à la suite de ce match nul 3 buts partout, surtout à cause de ce long voyage qui a probablement fatigué les joueurs et aussi la problématique du terrain. Et bien évidemment, il avait épinglé aussi le problème de l'arbitrage, espérant que lors du match prochain, la République démocratique du Congo pourra en tout cas nous montrer un autre visage et surtout hein, parvenir à inscrire un but, on va dire une équipe offensive choisie, mais qui est restée en tout cas muette face au portier ougandais. Alors nous allons suivre l'entraîneur ougandais, nous allons nous retrouver tout de suite après pour la conclusion de ce sujet, tout en vous rappelant bien sûr, vous êtes toujours sur DMTV, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification. Nous nous retrouvons tout de suite après. They did a great job playing BRC. It's not easy. They are well built. Their body construction was so good. They are very strong. One v one situation. They were beating us. They were very good in wing play. But we created many chances in first half. Did a lot of crosses, but our strikers were not effective enough to take away those chances. Then we came into second half. The game was so balanced. Congolese played really well. I think it was a fair result because they came all out in second half and we really tried. But that was the results of the day. And I would like to thank coach for his tactical contribution to the team. And I want to thank my defense so well. I had to sum my midfield and still have more time to go to the boardroom to see that we sharpen our attack in the next game. What was wrong today? We know Uganda as the best team in the region. Today, for sure, the problem was finishing. We failed to finish. We failed to take away the chances. Then the game has to go away from your side. When you play a team which is experienced, definitely they are seeing what you are planning. When you fail this moment, you can't do it again because the experienced coaches, the experienced players. So we would have taken our chances in the first half and things would have been different. But we need to go back on the drawing board with the technical team to see that we fight so hard in the next game to win against Tanzania. Oui, monsieur le coach, c'est la première fois que la RDC participe à cette compétition. Comment jugez-vous l'équipe de la RDC? Quels sont les points faibles de cette équipe? D'après vous, le point faible? Et ma deuxième question est de savoir, à un moment donné, il y a eu la tension entre les entraîneurs de deux équipes. Cela a été dit à quoi? It's the first time to DR Congo to participate in this competition. What do you think about the Congo team and maybe the weakness of the Congo? And the second question, it was a tight game with a tension. What do you think about this tension between even coaches, even players? Thank you very much. Merci. When Congo is playing Uganda, we are neighbors. Definitely it has to happen. We coaches, we are former Prince players. We know how Congolese play. They play beautiful football. Because of their nature of music, they like dancing so much, they are very confident on the ball. So when you resist and you don't allow them to trip you down, so it becomes that tension is created into the game. But generally, the game was balanced. We played well first half, we had our chances, they played well second half. So whoever will concentrate much in his coming game to get the results, I think we will qualify and we will lead the group. And how do you think about Congo, the RBC Congo team? Very beautiful team. It's a very, very hard-working team. Very talented, very skillful. As always, Congolese have always brought players who are good on the ball.
And they said this group as known this group as the group of the deaf. You think Uganda still have chance to qualify for the next step? Yes, we have. We still have a chance of qualifying. If we are drawn with the Congolese, everyone, Uganda has to work so hard, Congolese has to work so hard in the next game to see that we all qualify. Montrer une envie de gagner, c'était bien, beaucoup d'engagement, une grosse intensité, deux équipes qui ont bien montré qu'elles n'étaient pas là pour faire de la figuration. Donc le résultat reflète un tout petit peu la physionomie du match qui était très engagé. Est-ce un mauvais résultat ou un mauvais départ ou un bon départ pour cette compétition? Je pense que dans les groupes à trois, le plus important déjà, ce n'est pas perdre le premier match. Il faut féliciter les jeunes Congolais parce qu'ils ne se sont pas encore remis du long voyage d'hier. Il faut savoir que nous avons eu des longs moments dans les airs, une longue attente sur Addis Abeba avant de rallier Bahir Dar seulement dans la soirée. Vous savez qu'en termes de physiologie, la récupération n'est pas complète. Mais les garçons sont allés puiser dans l'âme au plus profond de leur nationalisme pour ne pas perdre ce match contre une équipe intéressante de l'Ouganda. Donc je dirais oui et non. Oui, bon résultat parce qu'on n'a pas perdu, et non parce qu'on espérait bien gagner ce match. Mais on se contente de ce que nous avons et on se concentre pour le match de mercredi contre la Tanzanie. Et la RDC a été invitée dans cette compétition. Est-ce que quelle est la motivation que vous avez pour cette compétition? Vous venez pour la gagner? Je pense que si ce n'était pas le cas, on serait resté chez nous. Je pense que si on se déplace jusqu'ici, c'est quand même pour aller le plus loin possible, défendre valablement les couleurs de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes en mission ici. Donc aller le plus loin possible, c'est l'objectif qui nous a été enseigné. Et nous allons nous battre pour essayer de l'atteindre. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre la conférence de presse d'après-match de l'entraîneur ougandais. Et bien que s'exprimant en anglais, les quelques mots que nous avons pu retenir, c'est qu'il s'est montré élogieux par rapport à cette équipe de la République démocratique du Congo qui a montré de très belles choses au cours de cette rencontre. Hein. Bien évidemment, l'entraîneur ougandais sait que la République démocratique du Congo est un pays de football. Pas étonnant que nous puissions montrer ce visage. Je rappelle que la RDC participe pour la toute première fois à cette compétition en tant qu'invité. Et bien sûr, Jean-Claude Loboko, qui est à la tête de cette équipe il y a à peine quelques semaines, hein, est en train de faire un travail de longue haleine. Nous espérons que ce tournoi va lui servir aussi, hein, pour mieux préparer ces jeunes qui aspirent à monter en équipe première. Alors, je l'ai dit, ce tournoi a débuté hier, c'était le samedi 17 juillet 2021. Par ce match qui a opposé l'Éthiopie à l'Érythrée. Match qui s'est soldé sur le score de 3 buts partout. Les deux équipes étaient très prolifiques en but et c'était un match historique. Hein. Historique pourquoi? Parce que ça faisait 28 ans que les deux équipes, l'Érythrée et l'Éthiopie, ne se sont plus croisées, hein, en compétition internationale. Hein. Donc pour la première fois après 28 ans que ces deux clubs se croisaient, il y a eu un joueur qui s'est distingué du côté de l'Érythrée. Il s'appelle Ali Souleymane, hein, surnommé Ali Bomaye. Et ce dernier a inscrit un hat-trick, donc 3 buts à lui tout seul. Hein. C'est donc lui qui a fait match nul face à l'Éthiopie. Bien évidemment, un joueur à suivre, je veux dire. Hein, Ali Souleymane, surnommé Ali Bomaye, en mémoire hein, justement au boxeur américain qui avait combattu ici contre son compatriote George Foreman, hein, et qui, bien évidemment, avait pu bénéficier du soutien du peuple zaïrois de l'époque qui l'avait poussé à la victoire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite analyse que nous avons voulu vous proposer, hein, de ce match des U23 de la République démocratique du Congo, match qui s'est joué ce dimanche 18 juillet 2021 sur le coup de 12h heure de Kinshasa. 0 but partout entre les deux équipes. On disait que ce groupe A, où
où nous retrouvons la RDC, la Tanzanie et l'Ouganda, le groupe de la mort, puisque l'Ouganda, c'est le tenant du titre. Effectivement, avec ce match, ça s'est aussi prouvé, puisque les deux équipes se sont séparées par la marque de 0 but partout. C'était un match d'un bon niveau, un niveau en tout cas relevé. La RDC face à plusieurs défis, notamment la problématique du terrain. Nous jouons sur des terrains synthétiques. Là, c'est un terrain à gazon naturel qui, de plus, était mouillé à cause de l'intempérie. Il y a également aussi la fatigue due à ce long voyage, mais les Congolais ont su résister et éviter en tout cas de perdre. Alors, tout va se jouer lors de la prochaine rencontre. Ce sera la première rencontre pour la Tanzanie. Si la RDC gagne, la RDC sera d'office qualifiée. Mais par contre, si la RDC perd, il faudra espérer que soit la Tanzanie, uniquement que la Tanzanie batte l'Ouganda aussi avec un score beaucoup plus sévère que contre nous pour espérer se qualifier. Il faudra bien évidemment sortir encore ses calculettes. Alors, nous allons revenir sur ce tournoi certainement d'ici quelques heures, avec un peu plus d'informations, un peu plus de détails. En attendant, nous nous limitons ici. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. Il est pas mal au banal.